Salut les amis, c'est Guy, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une double vidéo unboxing. J'ai reçu cette semaine, début de semaine, ce double colis de Guido Mista, de la partie 5 de Jojo Bizarre Adventure Golden Wind, en version Nandoroid et en version SAS, Super Action Statue. Vous voyez ici. Et elles proviennent toutes les deux de Amazon.co.jp, donc Amazon Japon pour les intimes. Elles m'ont coûté 6000 yens et 5500 yens, donc ce qui représente à peu près en euros avec l'envoi plus la douane, 132 euros j'ai payé pour les deux, livrées en deux jours, commandées le dimanche, le mardi matin, elles étaient là. Donc comme vous voyez, Amazon au Japon, c'est toujours aussi rapide, c'est livré par DHL, du moins chez moi en Belgique, je ne sais pas, en France, par qui c'est livré. Et donc je vais un peu vous unboxer les deux en même temps, je me dis ça peut être sympa de comparer. Elles viennent toutes les deux de chez Medicos. Medicos fait un partenariat avec Good Smile Company pour les Nandoroid. Donc voici ici la 1356, vous voyez le sticker officiel de la chaîne FIA, Guido Mista. Les différentes poses qu'on peut faire, son stand Sex Pistol, et pareil pour ici, Guido Mista. Sex Pistol, l'autocollant de la chaîne Shia, prouvant bien que c'est une officielle. Deux têtes. Et alors, ici, contrairement à la Nandoroid où nous avons visiblement juste un seul, il reste cet petit, comment est-ce qu'on appelle ça, petit plastique qu'on met. Ici, nous avons chacun des stands. Donc, nous allons unboxer en premier la SAS et voir un peu ce que ça donne. A tout de suite, les amis. Donc les amis, je vous avais déjà fait plusieurs sas sur la chaîne. Je vous invite à aller voir celle de Giorno Giovanna, de la même partie. Vu que j'en reçois à peu près une quinzaine ce mois-ci, si je vois que ça vous plaît les vidéos, je vais continuer à en faire alors. Si je vois que bah, ça ne décolle pas plus que ça, je ne le ferai pas. Tout simplement. Voilà, le but premier, c'est de voir si ça vous plaît, de découvrir en même temps que moi. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans? Ah, regardez. Oui. Trois armes. L'effet de la fumée avec la balle. Plusieurs mains interchangeables. Une deuxième tête. Et de l'autre partie, nous avons deux livrets, un stand. Qu'est-ce que j'adore quand ils mettent des stands pour des act stage, comme on dit chez Pigard. Parce que au moins chez eux, on ne doit pas les acheter à part. Un peu ça. Ils sont vraiment très 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 réussis. Elles sont toujours disponibles. Chaque fois que je vous mets une vidéo, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, si elle vous intéresse. Et franchement, si vous regardez ma vidéo précédente, c'est très facile de commander sur Amazon Japon, franchement. C'est aussi facile que de commander en France. Tout ce qu'il faut, c'est une Mastercard ou une carte Visa, quoi. Enfin, une carte internationale, j'ai envie de dire. Ils ne prennent pas PayPal ni les cartes bancaires traditionnelles. Mais sinon, rien de plus facile de commander chez eux. Donc voilà, la figurine a l'air vraiment superbe. La deuxième tête. Voilà, franchement, regardez-moi ça.
le niveau de détail pour du E12e, c'est... Moi j'adore cette gamme, franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai commandé autant ce mois-ci. Ça fait très mal au portefeuille, je vous l'avoue, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Super, franchement. Comme je vous rappelle, c'est une figurine à 55€ au Japon. C'est vraiment pas volé. Le niveau de détail est juste ouf, quoi. Et puis alors, les petits, on peut les perdre. Et voilà. Donc avant de faire des poses, je vais ouvrir la mandoroïde, comme ça je ferai les poses ensemble. Et ça pourra bien donner. Donc, je vais mettre tout ceci sur le côté. Là. On unbox et puis on fait les poses. Donc mandoroïde, je vous en ai déjà montré aussi plusieurs sur la chaîne, dont celle de Rohan en Jojo. J'avais voulu toutes les faire parce que pour l'instant j'ai toutes celles sorties au Japon. Aïe aïe aïe. J'ai reçu Josuke également cette semaine, qui sera la prochaine vidéo à mon avis. Mais j'avais été refroidi en cassant Giorno, malheureusement. Donc à l'intérieur, un petit livret. Souvenez-vous. Le drame, complètement cassé, mais bon, ça se rachète, le risque du métier, belle aussi, regardez-moi ça, vraiment un chouette partenariat qu'ils font là, ici ils ont encore annoncé deux nouvelles pour avril et mai, ça en fera 10 en tout déjà sortis avec ces deux là. Ils suivent, franchement c'est pas mal. Regardez, on va comparer avec la SAS. Oui. Elles sont vraiment belles toutes les deux. Maintenant, en Android, il faut aimer le côté kawaii, grosse tête comme ça. Moi j'adore depuis des années. Mais c'est vrai que ça, ça fait beaucoup plus réaliste. Et les poses donnent vraiment plus. Style manga animé quoi. Que là ça fait plus on déconne. Ouais, il y a quand même plus de détails dans les sas, c'est normal hein. C'est pas le même but recherché, mais elles sont magnifiques toutes les deux. Et celle-ci coûte 45€ au Japon, donc 10€ moins cher. Si je l'aurais précommandé un peu plus tôt, j'aurais pu l'avoir en dessous des 40€. Mais bon, c'est le problème au Japon, si tu vas pas assez vite pour précommander, ça peut vite monter. Donc on a quoi d'autre? Deux têtes, quelques mains avec les balles. Et alors voilà ce que je vous disais, ils ont fait comme avec Rohan et son stand, ils l'ont mis sur une petite plaque. Oui, sûrement pour limiter les frais. Et donc nous avons que... numéro 1 et le pistolet. Pardon. Ben, c'est clair que niveau détail, on préfère les sas. Hein. Franchement, regardez. Ben, chacun ses goûts. D'ailleurs, ça serait super cool de savoir c'est quoi vos goûts. Préférez, vous êtes plus Medicos sas ou Medicos Android. Un petit combat versus pour voir. Bon, je vais faire 2-3 pauses avant de trouver la bonne et vous montrer ça. Je reviens les amis. Voilà les amis, regardez-moi cette pose de fou. Et ça, c'est que la première que je fais de Guido Mista. Mais regardez un peu. Et tout est fourni, hein. Donc, comme je vous ai dit, hein, tous les petits stands là que vous voyez, tout est avec. Elle est vraiment oufissime. Contrairement à la Nordoroid, que je trouve
vraiment trop simpliste. On ne sait pas faire grand chose avec. En fait, dans Android, tu fais une pause, style muséum, et puis c'est bon, quoi. Parce que là, voilà, dans une vitrine, pour la faire tenir droite, c'est un peu galère. Mais elle est belle quand même, attention, hein, je ne dis pas qu'elle est moche. Hein. Et je dis aussi qu'il faut l'avoir dans sa collection, c'est clair et net. Vous voyez, mais quand vous voyez après ça, pour pratiquement le même prix, 5 euros de plus, on se dit, ok, la gamme SAS, franchement, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à la commencer. Je crois que 2021 va être vraiment une année consacrée au SAS. Bon les amis, je vais faire une autre pause, plus simpliste, celle que je vais mettre en vitrine, et puis je reviens vers vous. A tout de suite les amis. Voilà les amis, j'ai fait la même pause que sur la boîte des deux côtés. Mais bon, c'est plus facile et plus beau en boîte à faire, pourtant la pose est assez simpliste, mais je la trouve tellement bien, tellement classe. Attendez, stabilise, voilà. Par contre, je viens de remarquer, vous voyez mon casque, je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou pas, mais il n'est pas centré et je n'ai pas osé forcer pour le remettre droit, parce que sur la deuxième tête que j'ai, ici, regardez, il est centré, un peu plus à droite. N'ose pas trop forcer, parce que comme j'en ai déjà cassé, ben, je me dis, tant pis, mais c'est assez dérangeant. Mais bon, c'est rien de grave. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai montré des belles choses. Je ne vous avais pas montré, mais même dans les mains, regardez, il y a des petites balles, c'est cool. Je peux pas centrer. Et puis si je devrais aller chercher un autre défaut, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez la couleur de la main par rapport à la couleur de la peau. Elle n'est pas tout à fait exactement la même couleur. Les mains sont bronzées en fait. Vous voyez? Maintenant ça me rend peut-être pas en vidéo, mais ça se voit fort. Ouais, maintenant dans une vitrine comme ça, ça ne se verra pas, mais regardez, vous voyez l'articulation derrière, ben, l'articulation derrière a la même couleur que la peau du visage et du bras, et du ventre, pardon. Vous voyez, on voit vraiment une différence. Bon, c'est vraiment pour chicaner, parce que franchement, comme je vous ai dit, les SAS, je les recommande à 1000%. Les Nordroid, je vous les recommande aussi si vous êtes vraiment fan de Jojo et que vous voulez tout ce qui touche à l'univers de Jojo. Sinon, je trouve qu'elles sont plus passables. Mais voilà, moi je suis fan, je prends les deux. Et voilà, merci les amis. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, parce que j'ai une dizaine d'autres à faire en Jojo. Donc, faites-le moi savoir et je vous ferai des suivantes. Merci beaucoup, à bientôt.